Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah, je ne m'étonnais de pas encore vous avoir vu, monsieur Potter. J'ai l'impression que c'était hier que vos parents sont décédés dans d'atroces souffrances. C'était très drôle. Ah, la voici. Bouge ton trou fignon! Eh bien, vous rangerez. Peut-être celle-ci? Trop, c'est trop, vous rembourserez. Et avec votre argent de poche. Je me demande si... Je le savais. Bon Dieu, je le savais. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous saviez? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, monsieur Potter. Or, il se trouve que celle-ci appartient à celui qui a tué vos parents. Et oui, qui se ressemble, s'assemble. Il est normal que ce soit cette baguette qui vous est convenue. Je vous offre donc l'arme du crime. Et qui avait cette baguette? Oh, on ne prononce pas son nom. La baguette choisit son sorcier, monsieur Potter. Les raisons en sont ici plus qu'évidentes. Mais à votre place, je serais plus que fier et je remercierais l'honorable vendeur de baguettes avec, allez, disons, 500 euros, 800, dépêche ou je te défonce. Oh merde, v'là l'autre con.